Je suis donc le rédacteur en chef de Blue, qui est une nouvelle revue que le groupe d'études géopolitiques publiques qui traite. Année, quatre élections régionales cinq élections régionales, pardon, et cette élection fédérale dont l'ampleur et les conséquences sont très importantes. Et puis séquence très importante aussi parce qu'elle ouvre la séquence de la première Merkel et la succession de la chancelière avec des incertitudes très importantes à la fois sur le nom du prochain chancelier ou de la prochaine chancelière et sur la nature de la coalition qui succédera à l'actuelle grande coalition. Pour rappeler très rapidement les résultats de scrutin, le SPD est arrivé en tête, donc les sociaux-démocrates avec 26%, suivi par les conservateurs avec 24%, les Verts à 15%, les libéraux du FDP à 12%, l'AFD à 10% et le parti de gauche Die Linke à 5%. Ce qui veut dire que le tête de liste des sociaux-démocrates Olaf Scholz est attendu comme étant le plus probable pour succéder à Angela Merkel, mais que malgré tout, une incertitude reste, avec deux modèles de coalition les plus vraisemblables, un modèle de coalition qui mêlerait les conservateurs, les Verts et les libéraux, et un modèle de coalition qui garderait les Verts et les libéraux, mais qui aurait à sa tête un social-démocrate, donc probablement Olaf Scholz. Comme d'habitude, la période post-électorale en Allemagne est décisive, et donc se pose la question de ces deux principaux modèles de coalition. Je voudrais lancer cette discussion en vous posant une question à Mme Ratner qui porte justement sur cette question de la future coalition. Nous avons vu dans cette élection allemande une chose assez nouvelle, à savoir que les Verts et les libéraux pris ensemble avaient une force électorale plus importante à la fois que les sociaux-démocrates et que les chrétiens-démocrates. Ce qui signifie que si les Verts et les libéraux réussissent à se mettre d'accord, ils ont une force de négociation plus importante que leur potentiel troisième partenaire. Mais ce qui est aussi une vraie difficulté, puisque le FDP et les Verts étaient attendus, en tout cas par l'opinion, comme étant les possibles deux partis en contradiction ou en désaccord dans un futur gouvernement. Donc deux partis qui ont vraiment intérêt à s'entendre, qui ont aussi des divergences possibles, mais qui ont un électorat potentiellement assez proche, un électorat plus urbain, un peu plus jeune, souvent avec plus éduqué ou avec un peu plus de personnes qui sont dans des diplômes universitaires, et peut-être un peu plus à l'ouest aussi. Le FDP et les Verts ont un électorat à l'est un peu plus faible. Donc la question que je voulais poser, c'est vraiment celle-là. Comment se projeter dans cette alliance possible avec les libéraux du côté des Verts? Comment envisager les futures dynamiques dans la coalition? Et comment penser la politique allemande dans ces cinq prochaines années avec les dynamiques qu'on a? Merci beaucoup. Bonsoir, vous m'entendez bien? Merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec plaisir que je suis avec vous pour un peu de temps parce qu'on a encore plein de réunions, de préparatoires après. Moi, je pense que après Merkel, vraiment ouvre une nouvelle époque, comme vous l'avez dit. Moi, je suis bien contente du résultat des Verts. On n'a pas réussi à aller aussi loin, mais la direction était la bonne. Moi, personnellement, je suis bien contente de mon résultat. J'ai gagné ma circonscription en direct et j'ai eu un très bon score au niveau de ma circonscription. Et du coup, moi, je suis assez confiante qu'on aura une bonne position pour les semaines qui viennent. Mais j'aimerais bien quand même souligner qu'il y a trois options pour former un gouvernement. C'est comme vous l'avez dit, c'est Jamaïca, c'est le traffic light, c'est le feu, entre la SPD, nous et les libéraux. Et il reste, bien sûr, évidemment, la continuation de l'actuelle GroKo, de la, entre guillemets, grande coalition. Et à mon avis, il ne faut pas sous-estimer cette option. Et évidemment, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais je pense que la minimiser risque
de ne pas voir une partie du débat ou de l'enjeu actuellement. Moi, je suis bien contente et je me suis exprimée en faveur ces derniers jours et même avant les élections que nous allons vers les libéraux pour trouver des points communs avant de parler au SPD et à la CDU et de trouver des points pour un vrai projet. Je veux dire, pour moi, c'est très important qu'on n'aura pas une coalition comme les deux dernières, où c'est toujours le dénominateur le plus petit, le dénominateur commun le plus petit possible, et avec un résultat qui coûte très cher à l'Allemagne, et qui ne fait pas avancer vraiment sur les sujets clés comme protection du climat, cohésion sociale, Europe, etc. Du coup, pour moi, si cette coalition avec les libéraux et les sociodémocrates a une raison, c'est de faire vraiment avancer l'Allemagne et l'Europe. Et de sortir de la logique de, je veux dire, un pour le SPD, un pour les Verts, un pour les libéraux, et à la fin c'est très cher et ça ne mène à rien. C'est pas facile, mais je pense que c'est faisable. Et c'est clair que c'est plus facile sur les questions de la société, des droits des femmes, immigration, pas nécessairement asile, mais sûrement immigration, où c'est des questions de la réforme du secteur de la justice. Sur toutes ces questions-là, je pense qu'il y a des accords possibles où on peut vraiment faire avancer l'Allemagne et même l'Europe. C'est évidemment beaucoup plus facile sur la question des finances et la question de la protection du climat. Et d'ailleurs, c'est toujours valable pour le niveau national aussi bien que pour le niveau européen. Et du coup, il faudra regarder où est-ce qu'on trouvera des compromis ou des nouvelles approches communes qui nous permettront en faire aboutir aux objectifs qu'on partage dans le sens que l'accord de Paris sur le climat est quelque chose qui nous lie tous et pas juste le parti vert. Mais voilà, c'est quand même pas tout à fait facile et notamment sur l'Europe, je pense qu'il y aura des vraies différences qu'il faudra surmonter. Et moi, j'espère surtout qu'on aura un gouvernement avant la fin de cette année et qu'on ne prolongera pas jusqu'en février-mars de l'année prochaine. Parce que dans ce cas-là, la France sera entrée en campagne totale et aura des élections présidentielles et nationales. Du coup, l'Europe sera plus ou moins non... Oui, ça serait impossible de trouver des compromis franco-allemands jusqu'en septembre. Ce qui signifie plus ou moins un an de pause pour les sujets clés comme le Fit for 55 ou ou la question des droits, de l'état de droit, etc., de la santé. Du coup, j'espère qu'on aura la force de former un gouvernement rapidement. Pour qu'on ait le mois de janvier jusqu'en mars, avril, mars, disons mars, à faire avancer l'Europe sur des dossiers clés. Je pense que ça sera le créneau où on pourra faire des choses en commun. Et moi, je pense que ça sera intéressant de savoir ce qui est important aussi pour la présidence française de l'Union européenne. Je pense que ça sera utile d'avoir un gouvernement allemand en place. Ça serait difficile. Si on est encore en train de négocier au niveau allemand pendant la présidence française. Et voilà, j'espère qu'on aura la force et que tous les partis prenant de cette ambition auront aussi le courage de faire ça peut-être plus rapidement que prévu. Voilà, quelques premières impressions. Je ne peux pas vraiment dire beaucoup parce qu'on a
aussi à tirer les leçons de 2017, quand où il y a eu trop de leaks, où tout le monde parlait, partoutait, racontait ce qui se passait dans les réunions. Cette année, on s'est dit. Et il y avait non seulement deux, il y a eu quatre réunions. C'était le FDP avec le SPD, nous avec le SPD, nous avec les conservateurs, les FDP libéraux avec les conservateurs. Et des deux réunions avec le CDU, tout est dans les journaux, dans la Bild-Zeitung en direct. C'est assez terrible, et ce qui n'est pas un signe de confidentialité ou d'une bonne base pour négocier. Mais bon, c'est pour ça que pour les détails des négociations en ce moment, je ne peux pas dire grand-chose. Mais voilà, c'est... À mon avis, il y a des vrais soucis ou des vrais, des grandes questions au sein de la CDU ou de la CSU. Et à voir pour eux comme ils le disent. Merci beaucoup, Madame la députée, pour cette intervention très éclairante. À présent, on va passer peut-être au panel parisien à l'École normale supérieure avec quatre invités pour rebondir sur vos propos et analyser les élections allemandes. Tout d'abord, nous avons Corinne de France, qui est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire moderne de l'Allemagne et qui revient justement d'un voyage en Allemagne d'analyse des élections. Hans Stark, professeur de civilisation allemande à l'université Paris-Sorbonne et conseiller à l'IFRI pour les relations franco-allemandes. Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au Monde, et puis Tara Varma, directrice parisienne du bureau directrice parisienne de l'ECFR. Donc, je vous donne la parole à Corinne de France. On va essayer de faire. Bonsoir à tous, merci beaucoup de cette invitation qui nous donne en effet l'occasion de tirer profit de ce voyage d'observation qui s'appelle officiellement des élections allemandes organisées par l'Office allemand d'échange universitaire, le DAAD, que je remercie. Et donc pendant une semaine, on a eu des rencontres avec des candidats, on a assisté à des manifestations électorales, on a rencontré des experts des différents champs, conférences de l'économie, numérique, etc., etc. On a eu aussi des briefings avec des journalistes, des politiques, des politistes pendant une semaine. Voilà, alors évidemment, là, le suspense dure au-delà des élections, il risque de durer encore un petit peu, enfin, assez longtemps, puisque c'est pour parler sur chaque cours pour les coalitions. Effectivement, il y en a trois qui sont arithmétiquement possibles. Il me semble que la coalition avec les conservateurs, les libéraux et les verts est assez mal partie, parce que d'abord, le FCB est arrivé deuxième. Je suis là. C'est une femme qui est proche. Oui, est arrivé deuxième avec un candidat qui est assez délégitimé et extrêmement critiqué dans son propre camp. Donc, même les autres partis politiques posent la question de sa légitimité à pouvoir conduire des négociations, encore plus à mener un gouvernement. C'est peut-être la coalition que les libéraux ont dit avoir préféré, mais sans en exclure d'autres. Donc, on voit bien que les libéraux gardaient toujours la porte ouverte à une autre coalition, qu'on appelle Feu Tricolore, donc avec cette fois-ci des sociodémocrates. Celle-là me paraît aujourd'hui avoir peut-être plus de chances, d'abord parce que les sociodémocrates sont arrivés en tête, que d'après le dernier, l'enquête d'opinion, Scholz est le chancelier qu'une grande majorité, enfin la plupart des Allemands,
souhaite avoir. La SPD, encore cette dernière semaine depuis les élections, est devenue, a gagné encore en popularité. Donc il me semble qu'il y a cette base, cette légitimité. Les Verts ont dit à plusieurs reprises que c'est peut-être, enfin, que c'est la coalition qu'ils préféreraient avoir. Les sociaux, les libéraux, a priori, ne sont pas contre. Évidemment, c'est sans doute entre les libéraux et la SPD qu'il y aura des difficultés sur certains points, comme la politique, comme la dette et les questions de politique fiscale. C'est une coalition donc, qui est souhaitée par un grand pourcentage d'Allemands et aussi surtout par les plus jeunes. Voilà. Mais ne pas sous-estimer la possibilité de la grande coalition que personne ne veut, mais qui avait déjà été une grande coalition par défaut il y a 4 ans. Et si les négociations devaient échouer entre les libéraux et les Verts, s'il n'y avait pas de point commun qui puisse se dégager, il y aurait toujours la possibilité qu'on retrouve une sorte de gros coup, cette fois-ci, qui serait dirigée par les sociodémocrates. Voilà. Ce qui m'a marqué aussi, peut-être en un mot, c'est que l'âge moyen des électeurs est de 58 ans. Je vois quand même une société très âgée, avec un âge moyen des électeurs de 58 ans et des élus au Parlement qui sont quand même nettement plus jeunes, puisque c'est 47 ans. Voilà. Donc c'est cette dimension démographique, on va y revenir, mais qui me paraît très très importante pour les années à venir, pour l'Allemagne, et aussi dans les défis politiques qu'elle aura à relever. Merci beaucoup. Peut-être Hans Stark, si vous voulez. Vous pouvez, oui, on le passe, bien sûr. Merci beaucoup, Yvonne. Bonsoir, je ne touche plus rien. Alors, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer peut-être le caractère disruptif de ce qui s'est passé avec les élections du 26 septembre en Allemagne. Donc, c'est quand même pas aussi loin que la situation en France en 2017. Il n'y a pas d'effondrement au même point que ce qui s'est passé il y a maintenant bientôt 5 ans en France. Mais nous n'avons plus en Allemagne les partis de rassemblement, les Volkspartei, qui avaient caractérisé la vie politique outre-Rhin pendant des décennies. Donc là, nous avons deux grands partis, enfin, anciennement grands, qui se trouvent autour de 25%, à savoir les sociodémocrates d'un côté et les chrétiens-démocrates avec la branche bavaroise de l'autre. Et nous avons un système qui, avec 6 partis, je compte maintenant la branche bavaroise qui faisait partie avec la CDU d'un seul parti, pour ne pas trop compliquer les choses. Donc nous avons un système à 6 partis, ce qui fait que pour avoir une majorité parlementaire, nous devons très probablement opter pour des coalitions à 3, ce que Francisca Prada nous a très bien expliqué à l'instant, et ça va évidemment être assez compliqué. Des deux options, donc une option tripartite avec un chancelier chrétien-démocrate et une coalition tripartite avec un chancelier social-démocrate, donc Olaf Scholz, je pense que c'est la deuxième option qui me paraît théoriquement en tout cas la plus plausible. Pourquoi ? Les sondages de M. Laschet en Allemagne sont terribles, ils le sont depuis des mois, et je ne pense pas qu'on puisse franchement élire, évidemment on le peut théoriquement, mais élire quelqu'un à la chancellerie qui est à ce point contesté au sein de la société, mais maintenant de plus en plus au sein de son propre parti, où on tire à boulet rouge, en tout cas les dirigeants de la CDU, les principaux, hein, M. Röttgen, M. Spahn, évidemment Stoiber, et j'en passe, donc les grands ténors de la CDU et de la CSU, n'hésitent plus, finalement, ils ne passent pas encore à l'acte, donc le couteau est encore rangé. Mais les paroles se libèrent et c'est terrible pour les marchés. Donc je me demande qu'est-ce qui fait qu'il n'a toujours pas compris qu'il vaut peut-être mieux sauver l'honneur et anticiper son propre assassinat politique, bien entendu. Du coup,
Élire quelqu'un comme ça, chancelier, ça risque d'affaiblir toute la constellation tripartite pendant les 4 années qui viennent. Et donc tirer vers le bas, non seulement la cible CSU, mais aussi, in fine, les deux alliés, donc les libéraux et les verts. On ne peut pas me dire que ce n'est pas quelque chose auquel ils pensent. Parce que, vous savez, après les élections, c'est avant les élections. Et les prochaines élections, c'est pour bientôt. Donc à l'échelle régionale, à l'échelle des Länder, etc. Donc tout le temps le même, tout le temps en campagne électorale. Donc me semble-t-il, ça va être un peu osé. Et puis, la CDU est aussi très mal en point. Elle est d'un point de vue programmatique, puisque certes, elle a connu de formidables succès avec Angela Merkel. Succès étant donné que la CDU a été élue trois fois de suite, donc en 2005, en 2009, en 2013 et en 2017, grâce à Angela Merkel qui, elle, est là de très loin et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la personnalité politique la plus estimée, la plus populaire, on ne rencontrera. Mais elle a quand même imposé à son parti des choix, sortie nucléaire, abandon de la conscription, le mariage pour tous, le maintien, le maintien de l'ouverture des frontières en 2015, une certaine social-démocratisation de toute sa politique économique et sociale, une volonté manifeste de gagner les élections au centre en négligeant finalement les besoins de la tranche la plus conservatrice et nationale de son propre parti. Donc elle a, en quelque sorte, elle a désossé, d'un point de vue idéologique et programmatique, son propre parti. On lui a pardonné parce qu'elle a fait gagner les élections. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour faire gagner les élections au sein de la CDU, de façon aussi évidente qu'Angela Merkel, du coup maintenant, on se pose la question au sein de ce parti. Mais à quoi nous servons-nous? Quel est notre programme? Quelles sont nos valeurs, nos orientations? Et là, je crois que la CNU-CSU va traverser une longue phase pour se retrouver, pour retrouver une identité, et aussi pour se distancier à la fois par rapport aux libéraux, qui c'est quand même un parti de droite également, l'AFD, donc l'extrême droite, et les centristes autour de la chance qui revendiquent l'héritage d'Angela Merkel. Donc ça ne va pas être simple pour ce parti. Je pense aussi qu'il faut regarder un petit peu qui a voté quoi en Allemagne, parce que ça c'était intéressant. Alors lorsqu'on regarde bon, il est très, tout à fait vrai ce que vous disiez pour la France à l'instant, le Moyen-Âge 58 ans, et je vous assure que d'élection en élection ça ne s'arrange pas, parce que les Allemands vieillissent évidemment. Mais les jeunes votent quand même aussi. Alors on a constaté que les primo-votants, donc ceux qui ont 18 ans, ils ont massivement voté le Parti libéral. Donc on se demande quelle mouche les a piqués, mais enfin, en tout cas, ils ont voté FDP. Le groupe des 18-24 ans a voté majoritairement vert. Le groupe des 25-34 ans a voté majoritairement vert. Ce qui veut dire que si je mets de côté les primo-votants, le groupe des 18 à 34 ans d'Allemagne vote vert, majoritairement. Ensuite, nous avons le groupe des 35-40 ans. Donc là, c'est un peu plus serré. Le SPD est à 20%, la CDU est à 19%, donc en dessous du SPD, les Verts sont à 18%. Donc là, le SPD émerge pour la première fois comme parti majoritaire. Pour le groupe des 45 à 59 ans, le SPD est en tête et la CDU en deuxième position. Donc la CDU n'est toujours pas majoritaire. On arrive maintenant déjà à la moyenne d'âge de 58 ans. Donc même pour le groupe de 45-59, le SPD est devant la CDU. Idem pour le groupe des 60 à 69 ans. Là encore, le SPD passe devant la CDU, le SPD est majoritaire. Là, cette fois-ci, c'est les Verts et les Libéraux qui sont derrière. Donc il faut attendre le groupe des 70 ans et plus pour voir la CDU passer devant.
Donc on peut dire, c'est pas grave, de toute façon l'Allemagne vit à tel point que de toute façon, ce sont des électeurs qu'on peut s'asseoir nulle part, on peut compter sur eux. Mais bon, pour un parti qui veut, entre guillemets, refaire l'avenir du pays, qui veut réformer le pays, qui pense aux grands enjeux de lutte contre le changement climatique, de digitalisation, d'Europe, etc., ça montre clairement que les Allemands qui ont moins de 70 ans ne font pas confiance à la CDU. Et donc, de ce point de vue-là, certains au sein de ce parti se disent aujourd'hui très clairement qu'ils vont peut-être mieux passer par une phase de renouvellement, de réflexion, dans l'opposition, pour rebondir après. Hein. Parce que structurellement parlant, et je m'arrête pour ne pas être trop long, lorsqu'on regarde toute la période historique de l'Allemagne de 1949 à nos jours, nous avons toujours plus, beaucoup plus de phases avec un CDU au pouvoir que le SPD, mais la CDU a à chaque fois, je dirais, presque profité du passage au pouvoir du SPD, et elle-même dans l'opposition, pour se refaire une santé programmatique pour faire court. Et ça peut en effet amener l'appareil, les partis politiques à réfléchir. De toutes les coalitions possibles, imaginables, il n'y en a que trois. Donc la petite coalition jamaïcaine avec... enfin, je commence par la plus probable, donc la coalition dite du feu tricolore, donc rouge, jaune, vert, c'est celle qui a la faveur des Allemands. Bon, c'est pas majoritaire, mais c'est la coalition la moins détestée. Il y a ensuite la coalition dite jamaïcaine, donc avec les chrétiens-démocrates qui ont la couleur du noir, les libéraux qui ont la couleur verte et puis les verts qui sont verts. Et puis il y a la grande coalition, mais je suis d'accord, je l'arrête là, une grande coalition n'arrangerait en rien les problèmes de la CDU. Obligerait la CDU à rentrer dans une coalition en tant que junior partner avec le SPD, ce qu'on n'a encore jamais vu, parce que ce serait forcément sous un chancelier social-démocrate. Donc déjà, il faut vendre ça aux électeurs de la CDU. Et puis, c'est aussi la cancellation qui a de très loin, qui suscite de très loin les plus grandes réticences parmi les électeurs allemands. Donc, je pense que c'est vraiment la dernière option imaginable si vraiment rien d'autre ne fonctionne, tout simplement parce qu'il faut bien que l'Allemagne ait un gouvernement. Donc, ce serait donc par sens du devoir d'État qu'on va choisir cette coalition-là, mais ce sera une coalition qui serait ni souhaitable ni souhaitée. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas parler des coalitions parce que je crois que vous avez très bien tous exposé ces diverses possibilités. Et moi, je voudrais d'abord saluer la placidité des Allemands et en particulier celle de Franziska que je salue parce que d'abord, on a été assez admiratifs aussi, je crois, de la qualité de cette campagne électorale. Qui s'est bien passé, qui a été sérieuse, avec une grande civilité. Ça nous a, je crois que nous, Français, ça nous a pas mal impressionné. La qualité, vraiment, de cette campagne. Et Franziska, tu connais bien la France, et je crois que tu vois bien la différence aussi, et tu comprends ce que je veux dire. Voilà, les résultats sont aussi très intéressants à observer depuis Paris, parce que depuis la France, parce que les extrêmes ont été... marginalisés. Alors avec, probablement, on peut souligner cette différence dans l'ex-RDA, où l'AFD reste quand même en Thuringe et en Saxe très forte, et je crois même dans pas mal de circonscriptions le premier parti. Mais au niveau fédéral, dans l'ensemble, Die Linke, donc l'extrême gauche, disparaît du Parlement carrément avec 4,9%. Et l'AFD, qui à un moment était quand même très puissante, descend à 10%. Donc ça aussi, pour nous, Français, c'est un résultat très intéressant, qui marque les différences entre nos deux électorats. Alors après, la recomposition du paysage politique est toujours
un work in progress, hein, c'est pas terminé, ça va évidemment beaucoup plus lentement que chez nous, mais on voit que ces deux grands partis, à eux deux, ils n'arrivent pas à faire 50%. Donc même si le SPD a remonté par rapport à l'effondrement qu'on avait pu observer, même si la droite, la CDU reste encore à 24, on dit, hein, ça reste quand même des partis qui, par rapport à leur puissance, sont vraiment en perte de vitesse, à leur puissance passée, je veux dire, sont en perte de vitesse, mais même s'ils se maintiennent mieux que nos partis de gouvernement ici en France, qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà. L'autre chose que je trouve, que je salue, c'est cette relève des générations qu'on observe avec donc ces deux partis qui sont en train de négocier eux-mêmes, qui sont les faiseurs de rois, hein, donc les Verts et les libéraux. On voit qu'il y a vraiment un saut de génération, d'ailleurs entre les quatre candidats chanceliers qu'on avait observés. Voilà, et ça c'est aussi très encourageant. Alors, ça c'est pour les choses que je trouve plutôt positives. Après, cette placidité, quelque part, elle me gêne quand même, parce que quand j'entends Francisca dire que ça peut durer un an, enfin pas un an de négociation, mais qu'on peut se trouver avec une Europe paralysée pendant un an, je suppose que c'est l'hypothèse extrême, bien sûr, mais c'est catastrophique. Et là, je vous trouve vraiment beaucoup trop placide. Le temps que vous prenez pour négocier, bien sûr, c'est très important pour vous. Mais une autre chose qu'on a relevée, c'est que pendant cette campagne électorale, en tout cas les débats télévisés qu'on a pu même suivre, je crois, ça, c'était, je crois qu'il y a pas mal de enfin, ceux qui sont intéressés, on peut regarder parce que la Deutsche Welle les a retransmis avec traduction en anglais pour les gens qui ne parlent pas allemand. Mais il n'a pas été, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'a pas été question de politique étrangère, ni même d'Europe. Et voilà. Et l'Europe, elle vous attend. Elle vous attend vraiment parce que, comme tu l'as souligné, la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier, elle ne pourra pas avancer s'il n'y a toujours pas de gouvernement en Allemagne. Et ce n'est pas seulement pour la France, c'est pour tout le reste de l'Europe. Il y a 27 pays qui, quand même, attendent que ce moteur allemand et, accessoirement, ce moteur franco-allemand se mettent en marche pour pouvoir faire avancer tous les énormes projets qu'on a, tout ce qui est Green Deal, digital, numérisation. Enfin, il y a vraiment des défis très importants qui attendent les pays européens. Et je crois qu'il faut que les Allemands, les représentants des partis, quand vous négociez votre coalition, vous pensiez aussi un peu à cet enjeu-là qui concerne tout le monde. Je m'arrête là parce que je crois que je vais laisser parler Tara et je crois que Francisca doit partir. Oui, attends. Alors, oui, Madame Rotner, peut-être que vous voulez reprendre la parole. Je sais que vous devez partir à 15, donc vous pouvez répondre peut-être à ces remarques de Sylvie Kaufmann et de Corinne de France et Anstatt, puis ensuite on passera la parole à Varman. Oui, désolée. Je suis désolée que je vais devoir partir à 8h15, mais voilà, on a encore des réunions et c'est chargé. Mais en même temps, je vous promets que je mets tout mon élan pour l'Europe, Sylvie. Parce que sérieusement, ça m'a choqué que pendant toute la campagne d'Europe, ni la politique internationale jouait un rôle, vraiment. Dans les débats, les grands débats à la fin, c'était pas un sujet, nulle part, alors qu'il y avait Afghanistan, etc. Mais même le sujet de l'Afghanistan, c'était discuté comme un sujet intermigration de réfugiés. C'était pas discuté comme un sujet de quel rôle pour l'Ouest, quel rôle pour l'Europe, que faisons-nous. C'était un non-sujet. Et du coup, je serai demain dans le DPA Newsticker, j'espère demain matin, avec exactement ça. Il faut qu'on se dépêche parce qu'on a une obligation, une responsabilité vis-à-vis de l'Europe. Mais bon, à voir. Je pense que je n'aurai pas que des applaudissements, mais je pense que c'est nécessaire aussi peut-être de signaler ça de l'Europe, de faire. De dire. On a des créneaux qui sont assez serrés et si on veut faire avancer un peu,
Et je pense que les citoyens attendent une réponse de l'Europe sur la question de protection du climat, sur le New Green Deal. Qu'on a cette responsabilité. Et deuxième point, sur la question, qu'est-ce qu'on fera de la conférence du futur de l'Europe, par exemple? Quelle procédure et quel rôle de l'Allemagne pour des avancées? Moi, je pense que ce que j'espère qu'on mettra en place, c'est une position vraiment pro-européenne dans le sens général, plus précisément dans le sens de la méthode communautaire et pas juste la méthode intergouvernementale, dans le sens de on est prêt à avancer avec quelques-uns. Si pas tout le monde est prêt à avancer, d'être plus strict sur les questions d'état de droit vis-à-vis de Orban, de finir avec le cours d'apaisement. J'espère que ça, ce seront des points d'après Merkel, qu'on arrivera à sortir du mode de crise, de gestion de crise, d'apaisement, de tous ensemble, on n'avance pas. Ça, je pense, ce sont des points qu'on essaye de renforcer. Et je sais très bien que pour la France, et d'ailleurs pour les autres aussi, hein, moi je dis sur les questions du pacte de stabilité, c'est un sujet toxique en Allemagne. Et c'est clair que si on en parle de cette manière, c'est Scholz qui a dit on ne changera rien, c'est le FDP, ni le CDU, il n'y a personne qui veut changer. Et moi maintenant, je pense qu'il faut sortir de cette question de la manière abstraite et de le faire plus concret. Qu'est-ce que vous allez dire à M. Draghi l'année prochaine? Il y a finalement un gouvernement plus ou moins stable en Italie. Il y a un peu de croissance en Italie. Est-ce que vous voulez vraiment tout de suite arrêter ce démarrage de l'Italie? À mon avis, il faut sortir de l'abstrait et entrer dans le concret. Et que la seule option que nous avons, les Verts, c'est de débattre les questions précisément. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Italie, avec M. Draghi? Qu'est-ce qu'on fait avec tel pays? Et de sortir de l'abstrait, parce que dans la question abstraite, réforme du traité de Maastricht, on n'y arrivera sûrement pas. Même réforme du six-pack, two-pack, à l'abstrait, je pense que c'est presque impossible. Et du coup, je pense que si on peut avoir un débat, pas publiquement, répondre saine, de dire voilà, quelle est votre réponse à l'Italie? Précisément, qu'est-ce que vous allez dire à M. Draghi? Je pense que ça pourrait être une route pour peut-être faire avancer l'Europe avec ce nouveau gouvernement. Et bien sûr, je ne vous cache rien. La question que est-ce que le libéraux ou nous, les Verts, on aura le ministère des Finances, aura un impact majeur sur l'Europe. Nous, les Verts, on se bat vraiment, vraiment pour avoir le ministre, la ministre des Finances, parce que je pense que ça sera crucial pour l'Europe. Et c'est clair que les libéraux se battent pour le ministère des Finances pour les mêmes raisons, mais avec des objectifs contraires. Et du coup, à regarder, je pense, dans les semaines qui viennent, qui aura le ministère des Finances. Merci. Parce qu'à la fin, je veux dire, un ministre des Finances Lindner, ça pourrait être pire pour l'Europe avec une coalition de la SPD, libéraux et nous, que M. Scholz, comme ministre des Finances, dans la GroKo. Hein. Du coup, la question, est-ce que ça sera un gouvernement vraiment progressiste pour l'Europe, à voir. S'il y a une nouvelle grande coalition, Scholz, attendez. Madame Brandner, s'il y a une nouvelle grande coalition en Allemagne, Scholz ne serait pas ministre des Finances. Il serait non, il sera chancelier, ça c'est sûr. Voilà. Non, mais je veux dire que dans le passé, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui disent ça va être mieux pour l'Europe maintenant, je leur dis attention, c'est pas encore sûr. Oui. On aurait Friedrich Merz comme ministre des Finances. Ce serait pas mieux. Non, c'est sûr que s'il y a la grande coalition et une nouvelle, ça serait le chancelier Scholz. Ça, c'est 100% sûr.
Mais voilà, la question c'est est-ce qu'on avancera vraiment sur ces questions-là ? Pas encore sûr. Et ça dépend beaucoup aussi après de qui sera le ministre des Finances, la ministre des Finances, et qui sera dans son équipe. Voilà, mais bon, ça c'est déjà beaucoup trop ce que j'ai raconté là. Bon, c'est pas grave, on le dira à personne. Merci, bonne chance. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous voyez pas, il y a un public en partie assis par terre de l'autre côté de la salle. Mais voilà, merci beaucoup pour votre participation, Madame Brantner. Merci pour cette occasion. À bientôt. Bye bye. Oui, à l'intérieur, vous pouvez. Je me lance. Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, on l'a dit, il y a plusieurs coalitions qui sont possibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails de celle-ci. Ce que je vais plutôt faire, c'est parler un peu de politique étrangère et de sécurité, puisqu'on l'a dit, c'est un peu le sujet. Le sujet de cette campagne, de cette élection allemande, et je vais prendre le cas, le scénario de, qui semblerait le plus probable, de la coalition feu tricolore. Et en fait, on voit qu'entre ces trois parties, il y a quand même pas mal de points d'achoppement. Je terminerai sur les convergences qu'ils ont en matière de politique étrangère et de sécurité, mais commençons sur les points d'achoppement. Là où le SPD se retrouve isolé par rapport aux libéraux et aux verts, c'est sur la Russie et la Chine. Le SPD continue de pousser beaucoup pour qu'il y ait une coopération politique et économique développée avec Vladimir Poutine, alors même qu'il y a des actions russes contre les intérêts européens, la déstabilisation des tentatives d'assassinat, des interférences dans les processus électoraux qui sont prouvés par un certain nombre de services de renseignement. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel le SPD se retrouve isolé. Sur la relation vis-à-vis de la Chine, c'est pareil. Le SPD continue de pousser pour qu'il y ait un partenariat stratégique avec la Chine qui soit développé. Là où les Verts et les libéraux dénonce quand même assez souvent les violations des droits de l'homme, et ils appellent à plus de fermeté contre Pékin, ce qui pourrait se faire au détriment de la stratégie d'exportation allemande qui constitue quand même le cœur de sa diplomatie économique. Sur l'Afghanistan aussi, on voit que les libéraux et les verts se retrouvent un peu contre le SPD. Eux, ils appellent à la création d'une commission d'enquête parlementaire qui serait chargée d'évaluer la raison pour laquelle la fin de la mission a été aussi désastreuse pour la Bundeswehr en août, là. Tandis que les sociodémocrates n'appellent qu'à une commission d'enquête qui, voilà, en termes d'ampleur et de temps consacré, est bien moins vaste. Il y a une autre situation dans laquelle ce sont les libéraux qui se retrouvent contre les Verts et le SPD, sans surprise sur les dépenses en ce qui concerne la défense. Les libéraux, donc le FDP, soutient les investissements de 2% dans le budget total du pays qui concernerait la défense. C'est un des reproches que beaucoup de partenaires otaniens font à l'Allemagne. Et le SPD et les Verts ne sont pas d'accord avec le fait de consacrer 2% du budget total du pays aux dépenses de défense. Mais ils disent qu'ils ne s'opposeraient pas à une augmentation de ces dépenses sans qu'elles atteignent 2%, si elles s'accompagnaient d'une réforme des procédures d'acquisition militaire et d'une priorisation d'un certain nombre de projets, et surtout qu'il y ait plus de transparence dans ces procédures d'acquisition. Sur les dépenses européennes aussi, c'est ce qu'Alain a évoqué, à Paris, à Rome, à Madrid, on s'inquiète beaucoup de ce que Christian Lindner, dirigeant des libéraux, se retrouve à la tête du ministère des Finances, parce qu'il appelle quand même, maintenant, depuis plusieurs semaines, à ce qu'il y ait des mesures d'austérité qui soient prises en Europe. Et encore une fois, Francisca l'a bien montré, il y a des risques réels, c'est pas juste un discours dans l'abstraction. Peut y avoir une Europe qui se retrouve de nouveau en panne si on met en place ces mesures-là. Et ce sont donc, c'est donc une mesure sur laquelle les libéraux se retrouvent vraiment isolés vis-à-vis du SPD. Ils insistent aussi beaucoup, les libéraux, sur le retour au pacte de stabilité, tandis que le Vert et le SPD disent qu'il est un peu, il est temps d'investir dans la transformation écologique et numérique de l'Union. Sur les exportations d'armement, un autre sujet assez critique, les libéraux disent qu'ils sont plutôt pragmatiques. Mais les Verts et le SPD appellent à des conditions évidemment beaucoup plus strictes et à plus de transparence. Ils ont fait partie du gouvernement là, ils n'ont pas mis en place le SPD et ces mesures, donc on verra bien ce qui se passe. La même chose sur les projets industriels d'armement européen, je pense à l'avion du futur, le SCAF. Les libéraux ont beaucoup envie d'avancer là-dessus et on sent, en fait, ils reprochent quand même assez régulièrement aux Verts et au SPD d'invoquer toujours la valeur de la relation franco-allemande comme principe, mais dans la réalité des faits, on sent qu'il y a quand même encore beaucoup de blocages dans cette relation qui reste stratégique.
un sujet sur lequel, alors pour le coup, ils sont un peu tous opposés, et d'ailleurs les libéraux et SPD, c'est la question des drones armés. Donc la capacité pour l'armée allemande de se doter de drones qui seraient armés. Les libéraux, sans surprise, sont en faveur de ce nouvel outil. Les Verts aussi, mais les Verts disent qu'ils ne seraient en faveur de drones armés que s'il s'agissait de cas de légitime défense aérienne. Peut-être juste un point positif, là où ils sont tous d'accord, ce serait pour que l'Allemagne soit perçue comme un partenaire fiable au sein de l'Union européenne et aussi sur la scène internationale. Ils ont envie d'investir davantage dans le multilatéralisme, de renforcer les capacités de l'ONU, de renforcer aussi la coopération en matière d'aide au développement. Et ils ont envie de voir s'ils vont lancer une mission d'évaluation de ce que la Bundeswehr fait au Mali en ce moment, au Sahel. Ce qu'on avait vu pour l'instant, c'est que le SPD essayait d'avoir le ministère de la Défense et probablement pour les Verts et Annalena Baerbock le ministère des Affaires étrangères, mais vraisemblablement, en fait, ils visent tous le ministère des Finances, qui effectivement est devenu le ministère le plus important et le plus stratégique en Allemagne aujourd'hui. Merci beaucoup. Question sur ces points, peut-être Thierry Kaufmann, puisque Mme Brockner a rebondi un petit peu sur ce que vous avez dit, vous voudriez réagir à ce qu'elle a dit. Et ensuite, Corinne de France, en start, vous aurez quelques mots de conclusion avant qu'on termine la séance. Non, bon, c'est assez rassurant. Je sais qu'on la connaît bien, Franziska Brockner, on sait qu'elle se bat beaucoup pour l'Europe et que c'est vraiment la campagne qu'elle a menée. Mais c'est vrai que il y a aussi d'Europe hors d'Allemagne un sentiment que l'Allemagne est trop confortable dans sa prospérité, se soutient trop, n'est pas assez audacieuse, et c'est un peu cette Allemagne-là qu'a symbolisé Merkel. Bien sûr, Merkel a été la chancelière du moment, en fait, de ces 16 années qui ont assis la prospérité de l'Allemagne, qui ont assis sa position centrale dans l'Europe. Hein. Vous savez, après, elle est arrivée juste après l'élargissement de l'Union européenne à l'Est. Et donc, c'est le moment où l'Allemagne s'est retrouvée vraiment en position de centre de l'Union européenne, alors qu'avant, elle était sur la frontière orientale, en fait. Et donc, elle a été la dirigeante, la chancelière allemande qui a vraiment très très bien collé à ce moment historique de l'Allemagne, de grande stabilité. Et ça a été bénéficiaire pour l'Europe, bien sûr, ça a été très bénéficiaire pour l'Allemagne elle-même et pour les Allemands. Mais maintenant, on voit bien que le monde autour de l'Europe et même autour de l'Allemagne, il n'est plus du tout dans une situation de stabilité. Il est en très grande instabilité, ça brûle partout hein, en ce moment. Et donc, on a vraiment envie que... C'est pour ça que je dis cette placidité, elle est à la fois impressionnante et remarquable, mais quelque part, elle nous choque aussi, parce qu'on n'a pas le temps d'être placide en ce moment. On n'a pas... Voilà. Et on sait que, vu le poids économique de l'Allemagne, il faut qu'il se bouge un peu, d'une certaine manière. Voilà, c'était un peu le message que je voulais faire passer. Je suis sûre que les gens comme Franziska en sont tout à fait conscients. Mais évidemment, ils ont des mécanismes et des... Enfin, je pense que c'est ça... Comme de France peut nous expliquer ça très bien, ils ont des mécanismes qui ne sont pas, dont il faut tenir compte. Justement, à Corinne de France, Jean Stark, si vous avez une minute chacun pour conclure, parce que le temps va. Une minute. On ne peut qu'être d'accord hein, ce que vous venez de dire sur la politique étrangère de l'Allemagne. Non, je ne suis pas du tout optimiste de voir l'Allemagne se bouger. Hein. C'est pas dans sa nature, ça n'a déjà pas été le cas sous Merkel. L'Allemagne est un pays qui mène une politique étrangère mercantiliste, très nettement, et qui fixe ses intérêts en fonction de ses intérêts, ses intérêts géopolitiques en fonction de ses intérêts industriels. Et énergétique, donc je ne vois pas en quoi ça devrait, enfin ça pourrait changer, je voudrais bien évidemment que ça change, mais je ne vois pas. Je pense aussi que cette nouvelle coalition va d'abord, je dirais, tourner autour d'elle-même pour éviter que les forces centripètes prennent dessus
et fragilise cette nouvelle coalition tripartite qui va l'être. Donc c'est déjà pas rien. Et ensuite, les grands enjeux qu'on a vus émerger pendant la campagne électorale ne sont pas ceux que Emmanuel Macron va fixer à l'ordre du jour pour sa campagne ou pour sa présidence. Donc les grands enjeux, c'est le changement climatique, et donc la lutte contre le changement climatique, c'est toute la suite de la sortie du nucléaire et donc réaliser, je ne veux pas dire réussir, je cherche les mots, réaliser le tournant énergétique qui a été enclenché, sans revenir au nucléaire, parce qu'il y a maintenant des gens qui disent que finalement les Allemands ont mis les bœufs devant la charrue, ou la charrue devant les bœufs, je ne sais plus, d'abord en décidant de sortir du nucléaire pour garder le charbon, finalement ils ont fait le contraire, et donc sortir du charbon et maintenir le nucléaire pendant un temps, etc. Bon, ça n'a pas été fait, à mon avis ils ne vont pas revenir au nucléaire. Et puis il y a toute la question sociale, et le SPD n'a pas gagné 5% pour rien, et a réussi quand même de remettre de ses cendres entre 2020 et 2021 en doublant son score par rapport au sondage d'il y a un an, pour maintenant dire bah, finalement non, on va renoncer à l'idée de 12 euros pour le SMIC et j'en passe, on ne va pas s'occuper des loyers qui explosent en même. Bref, ce sera un pays qui va d'abord regarder ce qui se passe à l'intérieur de ses frontières. Je suis navré de le dire comme ça, mais je ne veux pas autrement. À moins qu'une grosse crise soit au-dessus et nous oblige évidemment à réagir. Oui, Corinne de France. C'est vrai que dans cette campagne électorale, on n'a que vu de l'Europe et des relations internationales, ce qui laisse penser vraiment que l'Allemagne est tournée vers elle-même. Mais en même temps, peut-être pas être aussi négatif, Merkel, elle a su réagir très fort. C'est bien, elle a été vivement reprochée dans son camp avant tout en 2015 face à la famille des réfugiés. Donc je me souviens du nom, pourquoi elle est titrée Merkel, l'honneur de l'Europe, d'ailleurs. La fédération de l'industrie allemande est, paraît-il, en train de bouger, c'est ce qu'on nous a dit, sur la question de la Chine, sur la question de la Russie aussi. Donc il y a quand même donc ne pensant plus seulement à des intérêts économiques, mais prenant en compte la question des droits de l'homme, le climat, et en comprenant bien que finalement, c'est aussi un intérêt économique de prendre ces questions-là en compte. Donc il y a des choses qui bougent. Je voudrais finir par une réflexion en général. Certes, on peut s'inquiéter de ce qui se passe en Allemagne, parce qu'on a vu très clairement qu'il y avait des divergences quand même assez fortes entre ces partis qu'on pressent de vouloir constituer la prochaine constitution, donc on s'inquiète. Mais l'inquiétude des Allemands face aux élections à venir en France et à l'avenir de l'Europe, elle est bien plus grande. En France, enfin, on n'a jamais cru, on n'a jamais eu la crainte que l'AFD pouvait finir avec un score phénoménal à ces élections. Les Allemands sont même sont beaucoup plus inquiets de savoir qui sera au deuxième tour en France. Et évidemment, les conséquences pour l'Europe pourraient être absolument dramatiques. Donc l'angoisse des Allemands face aux élections qui vont avoir lieu en France, elle est encore plus grande que celle des Français à l'égard de l'Allemagne. Merci beaucoup, Laurent Stark, collègue de France, Sylvie Kaufmann et Tara Varma. Avant de conclure, je sais que François Hublé va nous dire quelques mots d'un nouveau projet du groupe d'études géopolitiques très ambitieux, le bulletin des élections de l'Union européenne. Donc, François, je te laisse présenter ça à la salle et à nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Oh, oui, je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais juste vous dire quelques mots sur le nouveau projet qu'on a lancé le mois dernier et qui désormais se lance pour de nombreux épisodes et vous n'aurez pas fini d'en parler. Nous avons lancé le mois dernier une nouvelle revue qui est la dernière année du GEJ qui traite déjà de d'actualité électorale. Donc vous retrouverez dans ces cahiers semestriels des analyses de toutes les élections en Europe. Alors toutes les élections en Europe, c'est-à-dire les élections nationales, les élections régionales, les élections européennes, ainsi d'en a. Toutes ces analyses rédigées par des spécialistes des différents espaces. Donc pour chaque élection, nous nous adressons soit à des chercheurs qui sont dans les universités sur place, que ce soit dans les régions ou dans les instituts de recherche nationaux, avec vraiment pour objectif de fournir un panorama complet de toute l'actualité européenne du point de vue électoral et politique.
Le premier numéro est donc sorti, comme je vous le disais, le mois dernier. Il traite une quinzaine d'élections qui commencent aux élections législatives roumaines de décembre dernier jusqu'aux élections chypriotes de fin mai. Et le deuxième numéro, qui traitera notamment des élections régionales françaises et des élections allemandes dont on vient de parler, sortira début d'année prochaine, début d'année 2022. Donc vous retrouverez toutes ces informations-là sur un format relativement accessible, un public un peu plus large que simplement le monde académique, et avec beaucoup de données. Donc l'ensemble des données au niveau municipal sont collectées systématiquement et vont fournir des informations un peu comparatives sur les différents chemins. Voilà, donc c'était essentiellement la présentation de la que je voulais vous faire ce soir. Si vous voulez plus d'informations, le site du cours d'études géopolitiques a tout ce qu'il vous faut, tous les articles sont en accès libre. Et puis je te redonne la parole, Pierre, pour la conclusion. Merci beaucoup, François. Alors je tiens à préciser que c'est une des trois revues du cours d'études géopolitiques, et vous trouverez en vente à la sortie de la salle la REB, la revue européenne du droit, et la GREEN, donc la revue des questions environnementales et écologiques. Donc merci beaucoup au public d'être venu et à nos quatre panélistes, Anstar, Corinne de France, Sylvie Kaufmann et Tara Varma. Et merci François pour la modération à distance. Donc merci beaucoup.